Bonjour à tous, c'est Z-Squatter Gaming et on se retrouve pour la 8ème partie du let's play de Ratchet & Clank 1. Et on va faire le plein de munitions. Et peut-être une nouvelle arme. Vérifie, elle coûte combien? Le DB7. Ouais, achète-la, c'est après l'hôtel. Bon, maintenant on économise 30 000. Ouais, je vois pour quelle arme. T'es d'accord avec moi? Ouais. Mais. Donc vous ne verrez pas acheter d'armes avant un certain nombre d'épisodes. Mais bon, les. Tu regardes. Bon, moi je suis d'accord pour économiser 30 000 boulons. Ouais. Mais est-ce que les PNJ du jeu ils sont d'accord pour qu'on économise 30 000 boulons? Voilà, attention, déjà, tu as deux chemins. Tu as deux chemins, tu as tout droit ou à droite. Est-ce que je prends le boulon déjà? Non. Oui, bah il y a un crocheteur, tiens, sur ta gauche. Attends. Tu dois faire un crocheteur, Tom, attention. Et tu peux pas le prendre en fait. Si t'as pas la prochaine upgrade de clan, il est pas possible à prendre. Hein. Ou alors toi tu vas réussir par miracle. Putain, mais je te baise. Tu meurs aussi, incroyable. Tu remeurs encore. Attends, c'est pas on part là. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas comment tu vas, mais attention, il y a des mini drakes encore. Voilà. Non, non, mais en fait, il se cache, tu vois. Nous, il a beau être dedans, en fait, il y est foutu. Ouais, bon, c'est pas. Oh, du dévastateur. Bon, bah alors. Ah oui, j'ai pas fait plein de munitions dévastateurs. T'as pas fait ton crocheteur et quel chemin vas-tu prendre? Est-ce que tu continues là? C'est ou alors crocheteur. Ouais, bah là, à ta gauche. Attends d'abord lui. Voilà. Pourquoi tu l'as tué? Il est mort. Non mais en fait c'était pour faire genre. Attention, mon truc détesté. Bon, tu fais ce chemin là et après tu feras l'autre aussi. Alors. Ok, ouais, celui-là il est violent à faire. Je le déteste tellement ce crocheteur là. Heureusement c'est pas moi qui le fais aujourd'hui. Plus c'est dur de voir lequel est allumé à ce moment-là, enfin lequel vise lequel. Ouais, mais c'est grave violent. Mais c'est dur, hein. Ok, bon, il t'en reste encore deux. Qu'est-ce que tu fais? Je vois pas lequel il faut que je bouge. Je vois pas non plus. Essaye peut-être... Bah non. T'as réussi à te paumer, j'ai l'impression. Je sais pas comment t'as fait ton coup. En fait oui, cette partie va durer une demi-heure, ça. D'abord réussir le crocheteur. Eh hey, mais... C'est violent, hein. Tu peux pas essayer de m'aider là, wesh. Moi la manette si tu veux, moi je vais te le réussir en deux minutes, hein. Mon cul. Ouais, tu veux voir ça? Attends, admire cette... Ouais, si, je suis sûr que c'est ça. Si Tom est sûr de quelque chose, ça présage un bon. Déjà, vérifie que les espèces de bloqueurs bleus, là, ils bloquent pas un truc important. Tu vois, là, déjà, t'en as un en bas, il bloque. Ouais. Sur la troisième ligne. Ça veut dire que c'est pas ici. Voilà. Sinon, c'est pas logique. Après. Mais là, ça peut pas être ici. Bah, donc, il peut être que ici. Voilà. Comme ça, il bloque rien. Voilà, ensuite. Non, ouais, il bloque rien. Attends, non. Faut voir le bloqueur là. Le bloqueur là, il bloque rien. Là, il bloque rien. Ouais. Donc, tout se joue là-dedans. Voilà. Ça marche pas, il y en a encore là. Ouais. Vois, ah mais si, à droite, il bloque quelque chose. Il bloque quoi? Bah... Ah oui, bah oui, évidemment. Bah là, il bloque quelque chose aussi. Oh ouais, là, il bloque rien. Non, ouais, non, là, il bloque rien. Si, il bloque quelque chose. Il bloque celui d'en bas. Mais... Si tu veux le viser d'en haut, il bloque quelque chose, tu vois. C'est dur. Bah là, il bloque rien. Oh! Quoi? Coup de chance. Genre le gars, il a même pas su comment il a fait, mais j'ai réussi. C'était magistral. Ouais, il y a même pas de boulon là-dedans. Mais oui, je suis con, c'est avec le vrai de clan. Maintenant, je te conseillerais de te dépêcher parce que t'as deux chemins à faire dans cette planète. Et ça fait déjà 4 minutes de vidéo. Voilà. Bon, au pire. Attention, là, il y a un piège. Ah ouais, ouais. Oh, le piège. Attention, tu es armé d'un simple crocheteur. Réussiras-tu à battre tes ennemis armés de cette seule arme? Si tu veux des munitions gratuites derrière les caisses de boulons, il y en a. On m'appelle ça. Moi, on m'appelle Tom. On m'appelle Le sniper. Oui, bien sûr. Bastien, il connaît toutes les cachettes du jeu. Bah, je t'ai dit, je l'ai fait assez récemment. Je t'ai dit quoi sur Blackwater? Le matin, je m'entraîne. Toujours attention, un ennemi là, il va te tuer. Il a failli se suicider aussi. En même temps, les ennemis, c'est un petit peu des loups. Heureusement qu'ils sont. Regarde, le gars, il est caché. Bon, je crois que tu devrais nous faire l'honneur d'utiliser notre nouvelle arme. Comme ça, voilà. Comme ça, ça va le calmer direct. Allez, montre-toi.
Eh hey. Tire-lui dessus. De en fait le truc il est. En fait le truc il est à. Il est à tête chercheuse. Hein. Ah bon? Bah je crois. Bon, par contre là ils sont cachés. Voilà là, vas-y tire. Mais hé hey. Bon, vas-y tourne, essaie de tourner le boulon sans te faire agresser encore. Bah c'est bon, ils ont l'air de se calmer. Là je te conseille parce que. Je connais le jeu. Là je te conseille, garde ton dévastateur parce que en haut sur le pont il y a un tank qui va arriver. Et là je passe par là? Non, tu remontes par le chemin où t'es arrivé. C'est juste un petit chemin. Non, prends pas ça. Tu vas te faire exploser, ça va être violent. Hein. Non, mais, regarde, lui il était encore caché là. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? J'aimerais bien le savoir. Il fait le même bruit qu'une certaine autre arme. Non, pas trop. Regarde, attention, le tank de la mort. Oh my god. Tour de mort. 2-1, compteur de mort. T'as écrasé. C'est pas possible. T'as roulé dessus en plus. Hein. Faut s'éloigner. Bon, 2-1 sur le compteur de mort. Recharge. Recharge tes munitions, ne fais pas comme moi. Je savais que j'aurais pas dû faire sur planète. Bah, tu peux utiliser le rail à côté si tu veux. Non, moi je suis pas un lâche. Un lâche. Bon, on verra si on vous fait en deux parties. Hein. Puis, de toute façon, moi, hein, je vais faire comme sur Aridia, je vais faire semblant de me suicider, mais en fait, ça va être un vrai suicide parce que Ratchet, il va pas s'accrocher. Hein. Bah, moi, s'il te plaît, ma mort. Hein. Sur Eudora, oui, c'est pas accroché aussi. Fais gaffe. Oui, le truc est déjà cassé, ils en avaient marre d'envoyer des missiles. Ah, le pont, il est déjà fait, t'as de la chance. Quel arnaqueur, lui. Regarde le Drake et le mini Drake, il a quand même essayé de te lancer. Encore. Non, non, là ils sont inoffensifs en fait. Ils sont inoffensifs. Tom, arrête de leur tirer dessus, ils sont inoffensifs. Oh non, vraiment, Tom, là je te dis vraiment la vérité. Dès qu'ils ont plus de tourelles, ils sont inoffensifs. Voilà, ils te feront pas de dégâts en te roulant dessus. Hein. Même en te roulant dessus. Vraiment. Tout à l'heure t'es mort, mais pas parce qu'ils t'ont roulé dessus. Non, ça je pense que ce sera quoi. En fait, c'est un point de compétence. Je crois que c'est un point de compétence. Sérieux? Je sais pas. Je suis arrivé, quand j'avais fini le jeu, je suis arrivé, j'ai dégommé l'hôtel. Je sais pas, j'ai attention. Tu peux pas passer par là? Bah, je crois que c'est un boulon ou des caisses par là. Pas l'abruti, ok. Ouais, il y a un boulon. Le mec, il ne savait pas par où compter. J'aurais un petit peu. Voilà, oui, il y avait un boulon. Ouais, voilà, on fait quand même une bonne solution pour ceux qui cherchent tous les boulons, mine de rien. Ouais, donc c'est un petit compensement de ma mort. Voilà. Ça te dit, on dit que un boulon en or trouvé égale une mort. Donc pour moi, ce serait trop simple. Moi, je suis à moins quelque chose de mort là. Je dois être à moins 8 morts alors si on enlève des morts à chaque boulon. Tombe pas, sinon il y a encore des mini drakes en bas. Il y a encore les mini drakes frustrants qui te balancent des bombes pire qu'à Black Water. Mais là, tu peux sauter dedans. Hein. Utilise le dévastateur, ça va plus loin. Hein. Ouais, mais je suis caché. Camouflage, comme moi sur Novalis dans la. Putain, mais je te mets. Comme moi sur Novalis dans la première partie, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, et en haut, y'a pas un truc super chiant à faire? Non, pas pour le moment. Ah oui, c'est que avec le. T'as pas les Magnetic Bots? Mais non, t'as pas les Magnetic Bots encore. Ah oui, c'est vrai. Là, en fait, faut juste que tu tues tout le monde et que tu tournes les deux crans au boulot en max. Et t'auras juste 40. Là, à la rigueur, laisse-lui sa tourelle. Hein. Mais enfin, laisse. Laisse-lui ses roues, tu vois. Mais sa tourelle, elle peut pas revenir? Non, elle repopera jamais. Ou du moins, je l'ai jamais vu. Hein. Sauf, je crois qu'il y a des mini-drakes cachés, mais essaie de tourner quand même. Oh, regarde, il y en a un là-bas. Attention! Ah, c'est bon, il y en a un de tourné, maintenant tu tournes l'autre. Tu vois, il te fait rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont. Tu vois, regarde, il te roule dessus, tu prends rien. Je vais essayer de le tuer, évidemment. Bon, vas-y. Bon, après, t'as encore un deuxième chemin à faire, oublie pas. Regarde, je te troll. Non, c'est lui qui va être. Ouais, oh, je te troll. Non, tiens-le. Non, tiens-le dessus avec une arme. Bon, ouais, c'est bon, lui. Après, t'as encore un deuxième chemin à faire, oublie pas. Avec les glissobots, donc là, c'est encore plus frustrant si tu meurs. Mais bon, dans mon immense bonté, je pense que je ne compterai peut-être pas l'une de tes morts sur le glissorail. Ah non, mais on a dit qu'on mourrait, hein. Moi, si je meurs, tant pis. D'accord, sachant que t'as pas toute ta vie, du moins je sais pas si t'as toute ta vie. Dis non, mais tu vois, moi je m'en fous, je suis tellement un dieu. Ouais. Ou pas. Oh, il est terriblement moche. Bastien, on a trouvé ton. Ah, écoute. T'as
essayé de le tourner. Mais un peu non, non, c'était trop fait. Ouais, beaucoup plus, même, parce que sinon ils entendront pas les gens. Bah, quoi? Mais de quoi? Bah, mais du son. J'en mets pas trop. On passe la cinématique, j'en ai marre de l'entendre parler. Bonjour. Voilà, on avait dit qu'on laisserait les cinématiques, mais Bastien il veut pas. Mais non, mais la première, on enlève. Moi, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter. Ah, dont toi, peut-être, non? Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces chats? C'est une expression. Bon, dis-moi, bon, allez, enlève. Ce commando, il a pas dit qu'on pouvait entrer dans la tourelle? Enlève. Si. Enlève. Enlève. Mais nous ne pouvons pas. Des glissons. Non, des. Magnétibots. Bon, bah, voilà. Attends, t'as coupé au moment où il a dit je vais aller faire pisse. Je sais pas ce qu'il a dit. Donc là, on va. Non, tu retournes en arrière. Enfin, tourne. Non, non. Va sur le truc de magnétique. Voilà, et tu vas sur le truc là. Évite de bouger parce que tu risques de tomber, enfin évite d'aller trop sur les bords, tu risques de tomber. Ah, j'imagine que t'en as déjà fait les frais. Ouais, plusieurs fois. Ça c'est le deuxième chemin. Ouais, mais il faut les magnétibots, c'est juste pour obtenir un objet. Qu'est-ce qu'il s'appelle? C'est le truc magnétique, là, enfin le... vérifie si t'as toute ta vie d'abord, hein. Appuie sur triangle. Il manque un PV, essaie de chercher dans les maisons si t'as pas de la vie. Ouais, c'est le détecteur boulon, enfin le métaux détecteur, voilà. Non, mais on va peut-être y va avec 3 vies, ou alors tu veux continuer à chercher. Je crois qu'il y a de la vie normalement. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il est l'arnaque, la arnaque totale. Oh, la vie. Donc, tu retournes à zéro, hein, en fait. Oh, je m'en fous, allez, vas-y, je vais avec toi. Rappelle-toi, hein, tu sautes avec croix et tu te diriges. Attends. Utiliser tes vaisseaux. N'oublie pas comment on change de rail. N'oublie pas que les mines ça fait mal. N'oublie pas que les trucs là ça fait mal aussi. Voilà. Mais la caméra est tellement chiante. Bah t'as du mal à trouver les sauts, hein, à voir les mines. Par contre la musique cool. Est-ce qu'on peut les taper, je crois, hein? Non mais là je sais pas où tu vas, mais en fait tu t'es retourné au début en fait. Ouais. Bah il fallait changer de rail. Encore. Non, laisse là, là c'est normal. Ouais, et là tu continues normal. Si on oublie pas qu'il y a un trou là, je crois. Ah, voilà. En fait, faut presque à la limite changer de rail chaque fois qu'on te permet de changer. Ouais, mais fais pas ça tout le temps. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas mourir. Là, fais gaffe, il y a plein de trous. Et évite, hein, je pense. Je te conseillerais d'éviter. Après, si tu meurs, j'en ferai pas les frais, hein, je gagnerai. Voilà, je t'avais dit. Hein. Le gars, il continue. Attention, là, tu vas avoir du mal. Regarde, il continue après, genre, non, moi, je suis déterminé. T'as même un point de compétence, c'est faire la glissade sans se prendre de dégâts. C'est assez incroyable. Et ça continue. Là, je tourne. Ouais, là, faut changer de rail. Ouais. Ouais, la caméra, tu peux pas là, faut pas changer. Là, faut juste essayer maintenant d'esquiver. Non. Le gars, il va mourir tout à l'heure. Mais non. Oh, mais comment je suis mort. Et puis, à 3-1, tu vas perdre. Hein. Parce que moi, après, je meurs plus. Hein. Sauf sur la prochaine planète que je vais faire. Mais non, là, je vais mourir. Non. Oh, et là, normalement, c'est bientôt fini. Je sais pas s'il faut sauter à la fin. T'es où? T'es vivant? Oh, yeah. Nous sommes en mission pour sauver la galaxie. Tu peux passer aussi. Attends, hein. Parle pour toi. Et puis baisse les mains, boîte de concert. T'as l'air complètement ridicule. De toute façon, là, ça va faire de la peine. Ouais. Tu peux passer aussi. Ici, oui. Non. J'ai bien sa voix de gogol. On dirait la tienne. T'as vu, le gars il s'engage dans l'armée, mais il s'attendait pas à tomber sur une guerre. Moi je suis un schtroumpf qui s'engage dans l'armée. Regarde, je l'ai tranglé, il a plus de yeux. Tiens, je le remets dans mes fesses. 2000. Y'a qu'un de Whisbar. Ah oui, hein, il s'en va de ses fesses, tout de suite, ouvre les yeux, parce que sinon c'était pas bon. Il est mort, il va repop dans 2 minutes parce qu'il a plus de PV. Ah oui, c'est... Bon, désolé, cette planète est vraiment un chien. Nous allons passer tout de suite, car mes lunettes, je vais les perdre. Salut. T'as remarqué, il n'avait pas de... Tu sais, dans les yeux, on a des pupilles. Bah, mais... Bah, il pas. Bah, check lui de près, je sais pas. Bah, lui... Vas-y. Ça devient une obsession, ma parole. Drague par-ci, drague par-là, moi aussi j'ai mes problèmes. Oh bah ouais, j'ai des problèmes super graves, ma gueule. Tu as effectivement des problèmes. Ah ouais? Bah si t'es si malin, comment t'as fait pour tomber dans le piège de Quark, hein? Je sais pas. C'est les robots. Les robots, c'est les robots gadgets, ils m'ont suicidé dans le vide. Tout ce qui on
vas-y, passe. Oh, tu es presque mort, fais gaffe. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mourir dans la prochaine partie, en fait, c'est ça. Mais tu gagnes pas toutes tes vies. Je sais pas, bah retourne au vaisseau avant de te faire éliminer par un ennemi sournois. Bon, attends, déjà, on va faire le plein de munitions pour le prochain épisode, hein. Ouais, parce que, hein, j'ai pas envie de faire comme sur Aridia, merci, j'ai failli mourir. Je crois qu'il manque du dévastateur. Ça, c'est un bon choix. Alors, Bastien, il va utiliser tous les boulons avec le dévastateur. Ah non, mais sur la prochaine planète, vraiment, je vais user à mort du dévastateur. Mais bon, il y a plein de boulons. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, on a un autre vaisseau. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu vas merci à tous et à toutes d'avoir visionné cette petite vidéo qui était le 8e épisode. On se dit à très vite pour le 9e. Et nous, on vous dit à plus tard. Et ciao, ciao.